Les gars, c'est Zairo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement, où je vais vous montrer mes achats manga. Donc, il n'y en a pas énormément, mais ce sont deux œuvres que j'ai vraiment voulu vous présenter. Allez, c'est parti. Nous commençons avec les deux premiers tomes de Blue Lock. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Les deux premiers tomes de Blue Lock. Le premier... et le petit deuxième qui fait extrêmement plaisir, donc en page jaune. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, voilà, tout est neuf. Je l'ai acheté dans une boutique tout simplement près de chez moi, donc j'ai pas acheté sur internet, etc. J'ai voulu acheter les tomes 3 de Blue Lock, mais il n'y avait pas. Et à côté, nous avons aussi Machel. Machel, les gars, qui est de plus en plus connu, et franchement, je vais vous présenter ses œuvres. Donc avant tout de commencer, je vais vous dire que j'ai pas pu encore une fois acheter le tome 3 pour ma chaîne, parce que je crois qu'il sort le 17, je sais plus si c'est vraiment vrai, voilà. Donc d'un côté, vous avez en jaune ici tout simplement un animé de sport qui est le football, et à côté vous avez ma chaîne, tout simplement, qui est un manga, pardon, pas un animé, de magie. Donc je vous laisse avec la présentation. Let's go. Blue Lock. En gros, l'histoire raconte que le Japon en Coupe du Monde 2018 est éliminé en 8e de finale, de quoi montrer leur nullité. Mais cet échec servira à créer le Blue Lock, un centre de formation qui réunit 300 joueurs aptes à devenir les meilleurs attaquants du pays. Tout est pas si beau. Leur coach Jinpachi Ego est clair. Détecter l'unique attaquant qui écrasera tous les rivaux, mais les 5 premiers joueurs du Blue Lock pourront jouer dans l'équipe des moins de 20 ans. Donc ici, que nous suivons le personnage principal Yoichi Isagi, qui devra couper les ponts avec son équipe pour devenir le meilleur. Le but est de se transcender pour devenir l'ultime attaquant du Japon, le numéro 1. Il y a de quoi donner des frissons. Et j'en suis sûr que la sortie en animé risque de chambouler tout l'univers des animés et mangas. Bon, cette fois-ci, Machel. En fait, on va sortir du contexte sportif pour être le numéro 1. Mais là, on va partir dans la même thématique de la survie. Et en fait, on va parler de Mash Burn Dead. Passer en gros ses journées entre les séances de musculation et à manger. Mais un jour, en fait, un policier va découvrir son secret qui n'a été doté d'aucun pouvoir. Ça me rappelle Asta dans Black Clover. Le petit bémol, c'est que c'est puni de mort de ne pas avoir de pouvoir magique. Et donc, sa seule solution, ça va être de poursuivre son aventure et donc de postuler à Easton, qui est une prestigieuse académie de magie. Et il va devoir devenir le meilleur. Son but va être donc de changer cette société qui compte seulement sur les pouvoirs magiques et qu'on peut très bien survivre et pouvoir vivre dans cette société. J'ai commencé à les lire, donc mon avis c'est quoi? C'est franchement, c'est vraiment attirant, et comme je l'ai dit, dès que ça va sortir en animé, ça va être une dinguerie, de la pure charcuterie, les gars, tout simplement. Donc je vous conseille d'aller les acheter maintenant, ça part très très vite. Sur ce, je vous laisse, bye.